Ah, ça y est, c'est fini le match. Oh putain, les mecs Oh là 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 Ah, oh, je me suis endormi devant le match. Et, putain, tellement le match, il était pourri, frère. Salut les bateaux socos, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh oui, comme j'ai dit, euh, qu'est-ce que c'était Vraiment un match de merde, un match purge. Mais qu'est-ce qu'on s'est emmerdé, frère C'est un truc de malade. En première mi-temps, comme en deuxième. Hein, vraiment emmerdé. C'est quoi ces matchs purges Alors, ce match aurait dû être un match référence. En fait, c'est un match purge. Hein, on, est, on pédalait dans la semoule on pédalait dans la purée. C'est un truc de fou, frère. Première mi-temps, naze, naze. Aucune envie des joueurs qui sont là, bah, qui, qui sont là, mais qui se promènent. Puis qui, voilà, pas, 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 pas d'action euh, de jeu dangereuse. Les Rennais avaient plus d'action dangereuse que nous. Alors après. Moi, je dis franchement, moi, ce qui m'énerve, là, le jeu, le jeu de rennes ils m'ont, ils m'ont énervé les rennes Et je veux dire pourquoi Parce qu'en fait, ils sont, venus au, ils sont venus au parc pour pas se prendre une branlée et ils ont foutu le. C'est pas le bus qu'ils ont foutu, hein C'est la muraille de Chine, hein C'est la muraille de Chine. Et il y avait même pas le, le pont de la rivière quoi pour, pour pouvoir passer, frère. Là, c'est un truc de malade, frère. Voilà. Puis après, ils jouent en contre. Il est contre était dangereux en plus parce que nous après on souffre on souffrait en, en contre tu vois bon on a tenu la baraque mais c'était quand même laborieux c'était vraiment laborieux ce match deuxième mi temps pareil deuxième mi temps qui franchement c'était naze frère naze 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 pratiquement aucun tir et puis alors vous allez voir le nombre de tirs cadrés vous allez halluciner hein. non mais voilà enfin bon un, un match vraiment très décevant euh, avant avant euh, la réception du Real de Madrid, moi je m'attendais à mieux quand même, hein, Et dire que cette année, Rennes c'est une équipe qui nous a causé vraiment des problèmes. À l'aller au retour, à l'aller on perd, au retour on arrache la victoire à la dernière minute grâce à Mbappé. D'ailleurs, je voudrais pousser un petit coup de gueule sur l'arbitrage, hein, l'arbitre de merde là, hein, qui refuse le premier but de, de Mbappé qui pour moi n'était pas du tout hors-jeu, c'est un scandale. Avec la technologie qu'on a en ce moment, comment on peut passer à côté d'un scandale comme ça, frère S'il y avait à quel moment il y avait hors-jeu, frère Il était couvert par il était couvert par tous les par tous les joueurs rennais. Même 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 Neymar en il a fait. Comme ça parce qu'il parce qu'il est pas hors-jeu et même euh, euh, Thierry Henry dans les commentaires, il disait il y avait un genou un genou euh, qui dépassait et en plus le genou il était en l'air la, la jambe était en l'air non mais faut arrêter quoi bientôt ils vont faire des enregistrements pour pour, pour, pour pour un pour un ongle Ouais, ah, c'est bon quoi ça casse les couilles ça. et les mecs dans, dans le var là à part bouffer des pizzas hein et vous êtes où, où dans le var là le, le var il est nous il, il est au bois de boulet vous êtes en, vous êtes en train de tirer des travaux quoi c'est pas possible pour pas voir ça ah ça me casse les couilles ça sérieux putain mais ah moi je comprends pas ça je comprends pas je co comment on peut Dire qu'il y a hors-jeu quand il n'y a pas hors-jeu. Et puis, monsieur l'arbitre, hein, les cartons, il faut en donner aussi aux Rennais, hein, parce qu'avec toutes les fautes qu'ils ont commises, vous dites, hein, le, vous sortiez pas les cartons, par contre. Dès qu'il y a eu hein, des, des fautes commises par les Parisiens, ça sortait. Hein, Verratti, par exemple. La faute sur Di Maria, pas de carton. La Verratti qui fait une petite faute, là, carton jaune. Hein. Non, mais c'est bon, quoi. On commence à en avoir marre des, 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 des arbitres anti-Paris-Saint-Germain, là. Ça commence à saouler, ça. Mais bon... Heureusement qu'on a un joueur qui s'appelle euh, Kylian Mbappé qui nous a sauvé encore une fois la mise. Mais je vais y revenir quand je vais arriver à, au cas par cas et quand je vais arriver à son niveau. On va faire les statistiques du match. Donc euh, 1-0, donc euh, but vraiment à la 80, 94e minute. Hein. Donc 12 tirs du côté euh, PSG, 13 du côté Rennes. Rennes, ils ont tiré un, une fois de plus que, que nous. Tir cadré, Un tir cadré des deux côtés. Un tir cadré, frère. Un tir cadré. C'est là que tu vois le match pauvre qu'on a fait, autant les rennais que, que, que nous, tu vois. Parce que les rennais, à part défendre les gens en contre-attaque, ils n'ont pas fait grand chose. Tu vois. Et euh, un tir cadré, frère. C'est scandaleux. Un tir cadré pour le paris Un tir cadré, c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. On devrait avoir au moins 10, 10, 10 à 15 tirs cadrés dans un match comme ça. Si c'est pas plus. On a un tir cadré. Non mais c'est ça Eh c'est pas comme au golf, hein, où il faut faire au moins de points. Hein. On n'est pas on n'est pas au golf, on est au foot là. Hein. Ah, ça, ça, ça commence vraiment à casser les couilles, ça. 64% de possession de balles, 36 du côté Rennais. Euh, 701, 701 passes du côté PSG, 388 du côté Rennais. 92% de précision de passes côté PSG, 82 du côté Rennais. 13 fautes du côté PSG, 10 du côté Rennais. Voilà. Euh, on a commis pas mal de fautes, mais eux aussi, ils ont, ils ont commis pas mal de fautes. Deux cartons jaunes du côté... Euh, PSG 1 du côté euh, Rennais, carton rouge auquin, 3 hors-jeu euh, hors des deux côtés, 5 corners du côté PSG et 3 du côté euh, Rennais. Maintenant, euh, passons euh, au cas par cas. Donnarumma euh, qu'est-ce que je dis De, Navas, pardon, <laughs> ça la plus, hein. <laughs> j'aime les deux. Hein. Euh, Navas, impeccable. Voilà, il a fait ce qu'il il a. Il n'a il pas vraiment eu beaucoup de choses à faire. Hein, quand tu regardes bien, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire parce que nos défense, tous les contre-attaques que Rennes a, a fait, euh, marquis tout il les très bien. Mais il, est, il a quand même fait des, deux, trois belles petites parades. Euh, franchement, euh, voilà, du grand art, Navas, comme d'habitude. rien à redire sur Navas. Euh, Akimi a fait son match. Voilà, pas plus, pas moins. Bon après, il revient, euh, il revient de, de la canne encore. Tu vois, c'est pas encore. Il n'est il est pas encore revenu dans le bain du PSG. Mais ça va, il a fait quand même son match. Euh, Marquinhos, qui toujours impeccable les deux là, les deux euh, renardier, ils ont beaucoup, beaucoup de fois bloqué euh, les, les attaques euh, de Reines, surtout Marquinhos. Euh, Bernat, alors Bernat, euh, très light, trop light. Euh, moi, je pense que, alors oui, je sais que que peut-être que Pochettino voulait préserver Mendes, mais il aurait fallu faire entrer Mendes beaucoup plus tôt parce que Bernat il a bien débuté en première mi-temps, tu vois, il était, il était bon, des, des beaux, euh, quelques beaux centres et tout. Mais après il s'est effacé. Après on apprend, il s'est effacé tout le long du match. Il a en deuxième on l'a pratiquement pas vu. Et euh, donc trop light, et depuis sa blessure, je vous dis, il ne, il, il, il ne reviendra plus jamais au, au, au niveau que il était avant sa blessure. Alors je sais qu'il y en a encore qui le préfèrent à, à Mendes, mais moi je vous ai déjà dit dans plusieurs fois dans mes vidéos, Mendes il a mis euh, Bernat au placard, il a fermé à clé et il a foutu la clé dans les égouts, frère. Bernat, c'est terminé. Moi, je vous le dis. Bernard c'est terminé. Alors oui, pour la rotation, tranquille, ça sert. Mais Mendes, pour, pour moi, c'est le titulaire indiscutable au PSG du côté gauche. Voilà. Alors, en espérant qu'il ne se blesse pas, Mendes. Euh, Paredes, a fait son match voilà je vais être sympa avec Paradès parce que chaque fois on dit que je suis méchant avec lui moi je vous dis franchement j'aime pas ce joueur donc je vous le dis à l'autre autre fois il y en a un qui me dit hey, tu vas pas aimer ce joueur non je l'aime pas je l'aime pas ce joueur j'aime pas le, le j'aime pas sa, 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 sa manière de jouer au foot j'aime pas je trouve que c'est je trouve qu'il a pas de qualité il a pas il a, il a pas beaucoup de qualité quoi c'est un joueur brut c'est un genre euh, voilà qui je sais pas il... il, il... Il a, il, a, il a pas de style ce mec pour moi tu vois c est, c est, je sais pas moi je moi je je l'ai jamais senti je l'ai jamais aimé et je le et je le dis voilà mais bon aujourd'hui je peux quand même être cool avec lui parce que voilà je trouve qu'il a quand même fait deux trois trucs quatre récents il a récupéré un petit peu de ballon mais vraiment un tout petit peu hein. mais pareil c'est une prestation très light aussi de, de la part de Paredes Uh, Draxler, c'est un peu un peu pareil, Draxler uh, a fait des bonnes choses, hein, uh, mais aussi trop light pour moi, uh, c'est du coca light pour moi, uh, Draxler, parce que, uh, uh, voilà, il a fait, uh, on l'a vu uh, à, à des moments, mais après, uh, pff, disparu, voilà, uh, il répond pas aux, aux abonnés absents, et uh, donc, uh, voilà, très light, Draxler, uh, pour moi, c'est même plus un genre de football, c'est un... C'est un touriste allemand qui est euh, à Paris pour voir la Tour Eiffel avec sa copine, euh, euh, avec sa petite copine euh, métisse là. Voilà, euh, voilà c'est plus un genre de football pour moi, notre Axler. Voilà. Par contre, Verratti, lui, lui, c'est du grand art. Lui, il a, il, putain, il est partout le mec. Il a récupéré énormément de ballons. Toujours pareil. C'est toujours le même. Quand Verratti est en forme et là il est en forme. Putain mais et le mec il était partout, il perdait le C'était le seul au milieu, hein, pratiquement le seul au milieu qui perdait le ballon, qui courait pour récupérer le ballon. Moi, je l'ai vu faire des courses de, 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 de derrière. Il revenait au milieu, de milieu, il revenait en avant. Tout ça pour récupérer des ballons. Il allait à gauche, il allait à droite, il allait partout, frère. Verratti, la machine de guerre. Alors, je sais pas, il a été... Je sais pas s'il a bu euh, 22, euh, 22 Red Bull avant, avant de jouer. Mais franchement, le mec, il avait il avait une batterie euh, du racel, frère. Hein C'est un truc de fou. Hein euh, J'espère qu'il sera comme ça contre le Real. Euh, le petit Xavi euh, Simons. Euh, a fait des, des choses intéressantes, alors oui il n'a pas réussi à marquer des buts, oui il a raté un petit peu devant le but, il a un petit peu vendagé devant le but, mais après bon euh, le mec euh, il n'est pas souvent titulaire. Euh, mais euh, moi, ce que j'aime dans le petit Chavissamy, c'est que lui au moins il court, il mouille le maillot, euh, il montre des choses. Tu vois, il montre des choses par rapport à d'autres qui ne, qui sont là euh, comme des plots figés, comme des statues. Tu vois, voilà. Lui au moins il montre des trucs. Alors oui, il a, il, il a pas été en réussite devant le but, euh, euh, surtout sur la finition. Mais, on, mais au en moins il a tenté des trucs. Et ça, 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 fait plaisir. Ça se voit que le gamin il a faim, quoi. Voilà. Euh, Messi. Alors Messi, euh, il a fait des choses intéressantes. Mais pour moi, je vais je vais continuer à me répéter. Euh, c'est un Messi Light aussi qu'on a. Hein, c'est c'est du Pepsi Light qu'on a ce soir. Euh, euh, et euh, voilà, c'est pas euh, je sais pas. C'est c'est pas encore un c'est pas encore un grand Messi. Ça commence. J'attends de voir contre le Real justement ce qu'il va faire parce que là c'est un match normalement qu'on doit le voir pratiquement que lui et qui doit être normalement super motivé. Donc j'attends de voir mais ce soir un, un Messi encore trop discret, trop light. Alors oui, il fait la petite passe D pour 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 Mbappé pour le but. Euh, mais pour moi encore trop hésitant à tirer à tirer au but. Euh, des fois, il est là, il veut en en faire aussi un peu trop dribbler, c'est pas quoi à un moment c'est il sait, c'est il sait pas qui donner le ballon. Après c'est vrai que ses collègues ne l'aident pas trop non plus, mais j'attends encore beaucoup plus de Messi euh, parce que voilà c'est parce que c'est Messi. Voilà j'attendrais pareil si c'était à Cristiano Ronaldo ça serait pareil. Euh, mais bon il a fait une passe dès quand même bon on va dire qu'il a quand même pas raté sa soirée il a quand même fait des choses intéressantes. Euh, et enfin euh, Kylian Mbappé qui pour moi euh, a été euh, euh, un, un des meilleurs joueurs sur le terrain euh, ce soir, avec beaucoup d'appels de balles. Euh, il il, il se démarquait, euh, beaucoup de euh, de, de percutage à l'avant. Euh, euh, voilà, il, il pressionnait, il se déplaçait, euh, il cherchait toujours la bonne solution. Euh, pas trop personnel ce soir, voilà. Euh, il joue en équipe, voilà. Et il voilà, il, il s'est démarqué bien par rapport aux autres. Et puis enfin, euh, voilà, le but de la victoire qui nous sauve encore une fois pour moi ce soir. Qu'il y a Mbappé a marqué deux buts parce que le but refusé pour moi c'est un scandale il y avait en aucun cas hors jeu je sais que je me répète mais j'aime bien me répéter quand il y a une erreur comme ça de d'arbitrage euh, et euh, pour moi voilà pour moi c'est l'homme du match encore ce soir qui nous sauve à la pratiquement la dernière minute du match les rentrées de Willianum Willianum ça pas apporté rien hein. Will Jadoum, tu, toujours euh, toujours pas bon voilà il faut le dire hein, pas bon du tout le, la rentrée de Mendes lui par contre pas mauvaise bon il a en cinq minutes tu peux pas vraiment juger le mec Kerrer, ça va il a pas été dégueulasse non plus euh di ah, j'avais oublié di maria di maria di maria euh, mitigé voilà c'est pas encore un, un di Maria au top euh, on peut pas dire qu'il a fait euh, qu'il a apporté du 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 109 dans, dans le match il est, voilà, il est voilà il a pas apporté vraiment quelque chose de 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 mieux on va dire ça comme ça tu vois j'arrive des fois j'arrive pas à trouver les mots mais je les ai dans ma tête mais j'arrive pas à les sortir tu vois je sais pas si vous me comprenez bon en tout cas voilà c'est pas encore un Di Maria qui on dirait qu'il se cherche encore tu vois bon voilà en tout cas euh, moi je vous ai, je vous dis franchement pas du tout rassuré pour le pour le match euh, pour le prochain match du Real euh, alors la seule chose qui me rassure mais ça j'en parlerai dans mon avant match contre le réel, que je ferai sûrement demain ou après-demain, euh, c'est euh, c'est que quand on joue en Ligue des Champions, euh, notre niveau et nos joueurs montent leur euh, leur niveau. Voilà, c'est le seul truc positif. Un dernier petit truc avant de couper, euh, je voudrais parler des petites banderoles qui a eu euh, fait par les ultras euh, euh, durant le match. Euh, alors sur certaines banderoles, moi je suis je suis d'accord à 100% euh, euh, sauf sur une où les disent Leonardo, c'est le moment de dégager ça je suis pas trop d'accord voilà parce que c'est pas que la faute de Leonardo. Le reste par contre je suis d'accord sur les autres banderoles, je suis d'accord, euh, sur des joueurs qui, ne, qui traînent à Savate, qui sont payés des millions et qui ne foutent rien sur le terrain. ça Là-dessus, là je suis d'accord. Donc j'approuve quand même euh, ce que les ultras ont fait. Et aussi la, la, la semi-grève euh, des chants, quand ils sont arrivés au stade, ils n'ont pas tout de suite chanté, ils n'ont pas tout de suite faire la fête parce que pour montrer quand même aux joueurs qu'on bah, qu n'est pas content de ce qui se passe dernièrement, voilà, au PSG. Voilà, sur ce j'ai tout dit. Euh, Aujourd'hui, le, le débrief est un petit peu mo euh, moins long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part que, 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 le, que le match était une purge. Voilà. On se retrouve bientôt donc pour mon avant-match. Ou demain ou dimanche. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris Ma Gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, on y croit.